On y est. On y est. Un homme. Incroyable. Aujourd'hui, celui-ci sur votre écran, Colin George du Suriname, le Hollandais, donc catégorie super lourd, 28 ans, 2 m 07, 110 kg. Et ce garçon, donc, la surprise du chef qui vient ici abattre la star. Il est devant vous sur votre écran, Jérôme Le Banner, 41 ans, 1 m 90. 111 kilos, mais surtout 103 combats, 78 victoires, 63 par KO. Un homme extraordinaire, un champion de boxe pied-point, un mutant, Jérôme Le Banner ce soir, et à mes côtés, Dida, pour commenter ce match qui s'annonce être d'anthologie. Et bon, on est ici à Saint-Tropez, en citadelle, avec Jérôme Le Banner, numéro 1 au monde. Voilà. Et face à lui, Dida, un garçon à ne pas prendre à la légère, c'est le cas de le dire. Et il prend jamais personne à la légère. Surtout dans la catégorie des super lourds. Vaut mieux. 2m7, c'est-à-dire une allonge, une très grande allonge. Un géant. Il va falloir se méfier. Un géant. Mais les géants, il connaît Jérôme Le Banner, vous vous en rappelez sûrement. Il a battu Hong Min-Chun, 2m18. Il connaît, il n'est pas impressionné. Jérôme Le Banner connaît ce genre de situation. Il connaît et il est capable de tout ce soir. Ouais, on connaît, mais bon, voilà, faut faire attention, il faut qu'il soit vigilant parce qu'en face de lui, il a un client, il est très détendu. Première entrée. Allez, Jérôme. Allez, le Tyson blanc. Allez, champion. Jérôme Le Banner à Saint-Tropez. Faut qu'il soit vigilant, attention. Et ça part fort du côté Le Banner. Allez, Jérôme. Parce qu'en face de lui, il a l'allonge. C'est sa bonne esquive. Rentrez dans cette garde, Jérôme. Bloque bien. Ah oui. Ça, c'est beau. Autant vous dire que ça peut déstabiliser un mammouth, hein, un coup comme ça. Ah, le kick jambe avant, là, il lui a fait mal. Ah, il a cherché à monter trop haut. Bien joué, Jérôme. Ah, c'est toujours un événement, c'est toujours un plaisir de voir Jérôme sur le ring. Vraiment. Il est propre, il a une belle boxe. Allez, Jérôme. Jérôme, on connaît ses capacités, rapidité, explosivité. Ouais, mais il faut faire attention parce qu'en face, il a quelqu'un, il a un client. Un client. Et une allonge, hein, Dida, on l'a dit, une allonge. Regardez ses bras très grands. Il va falloir se dépêtrer de cette garde. Taper en bas, c'est ce qu'il fait, Jérôme Le Banner, pour alerter. Il doit faire attention parce qu'il a quand même un air. Son adversaire, il a un air un peu comme ça, nonchalant. Tout ce qu'on n'aime pas. Ça peut taper fort, hein. C'est pas que ça peut taper fort, c'est que ça tape fort. Jérôme statique au centre. Et voilà, ça tape fort. Allez, Jérôme. Encore sur lui. Elle est bien. On sent que Jérôme, il est bien. Oh, la droite qui vient passer, la gauche. Ah, ça part bien la jambe aussi en face. Attention, Jérôme. J'aime pas quand il prend des shoots comme ça dans les bras parce que. Face, ça envoie fort. Ah, ça boxe en. Allez, une minute. Droitier, en gaucher. Une minute dans ce premier round encore. Allez, Jérôme. Jérôme Le Banner, embêté par cette garde très longue. Ses bras. En face. Très long. Un gabarit difficile, on le répète, ouais. Donc plus de 2 mètres, bien sûr. George Collins, il a un style qui est comme ça, nonchalant. Et quand l'envoie fort. Donc, faut qu'il soit vigilant, la garde bien levée. Faut que Jérôme lève bien les mains. Ouais, c'est bien ça. Allez, Jérôme qui revient au centre. Attention. Et un adversaire difficile à manœuvrer. Mobile. Difficile. Hier à la pesée, il était très détendu, sûr de lui. Ah oui. Voilà, ça c'est beau. Parce qu'il faut qu'il cherche comme ça, envoyer des shoots. De sonnette. Pour casser les bras. Il y a George Collin, Dida, qui pour l'instant tente pratiquement sa chance. Voilà, bonjour. Voilà. Bienvenue, my team. Bonjour.
Alors là, on a la chance d'être avec Mathieu. Bonjour. Mathieu, c'est quoi comment tu sens là le démarrage de Jérôme sur le premier round? Bien, il est confiant, c'est un sacré bébé en face. Mais je pense que s'il tape pour faire mal, il va gagner. Mais bon, c'est Jérôme, il faut qu'il a envie de taper quoi. Ah, mais t'es... Il a un air en face qui est un petit peu nonchalant, mais il est dangereux. Il a l'air pas super rapide, mais il faut se méfier apparemment de l'Okidor. Hein. Ça, c'est des faux. Hein? Ça, c'est des faux lents. C'est des faux lents, ça. Voilà, c'est okay. Des faux lents. Bon, on va voir la suite. Merci, Mathieu Kassovitz. Mathieu Kassovitz, bien sûr, qui nous a fait la gentillesse de venir voir, grand fan de son ami Jérôme Le Banner. Mais là, le scénario, on ne le connaît pas encore. Ah, Jérôme. Et voilà, accélération. Il est touché. Il est touché, et a priori... C'est ça, mon Jérôme! Bravo! Touché au foie. Et c'est fini! C'est fini! Jérôme Le Banner, un très très grand champion, mais aussi... Voilà, regardez tout de suite qui va voir son adversaire pour essayer de le relever. Jérôme Le Banner, qui vient de remporter encore une victoire incroyable, 104e combat, 72 victoires. Avec toute sa team, Jérôme Le Banner, Kamel Tatouage, tout son team qui est autour de lui. Voilà, ils sont tous venus. Enfin, Kamel Tatouage qui est à Vegas. Mais bon, on va le tenir au courant et puis on va regarder ça sur l'équipe 21. Bien évidemment. Bonne équipe autour de lui. Allez, je suis content pour Jérôme. Regardez Dida, expliquez-nous ce qui se passe à ce moment-là. Eh bien, allumé au foie, c'est le foie, voilà. Beau middle qui l'a touché et qui peut que te plier. Quand tu prends des coups comme ça, tu peux que te plier, tu peux pas revenir. Il aura suffi d'une fois avec une touche au foie pour que Jérôme Le Banner se débarrasse de son adversaire. Le premier coup, c'était le bon. Bravo Jérôme, le coup d'œil. Il est toujours là, incroyable, à 41 ans, Jérôme Le Banner. On n'est pas Jérôme Le Banner pour rien non plus. Et oui, un génie de la boxe pied-point. Et donc c'est pas de la incroyable ce soir encore. Jérôme Le Banner a fait trembler le ring. Jérôme Le Banner. Voilà, monsieur Le Banner. Encore une fois. Monsieur 100%, il est là. Jérôme Le Banner qui a fait lever Saint-Tropez ce soir. Et voilà le show ici à Saint-Tropez. Et voilà, la seule chance, eh bien c'était la bonne, le français. Regardez sous les yeux de Mathieu Kassovitz. Oui, la seule chance donc, je disais, de se relever, ben, il ne l'a pas eu, hein, son adversaire. Incroyable donc, Jérôme Le Banner, catégorie super lourd. Bravo Jérôme. Il a fait le travail, il est bien entouré avec son équipe. Et voilà. Jérôme Le Banner qui n'était pas venu pour faire des cadeaux ici. Jérôme Le Banner, Vincent, Olivier, voilà, il a toute son équipe. Toute la famille, toute la famille du kickboxing et toute la famille du Muay Thai ce soir. Il lui manque Kamel Tatouage et puis c'est fait. Et voilà, tout le monde est content bien sûr, un véritable succès. Bravo. Non seulement pour Jérôme Le Banner, mais aussi pour toute la soirée, Dida. On a vécu ce soir une soirée extraordinaire. Extraordinaire, vraiment. Très belle vraiment. Soirée, vraiment félicitations pour l'organisation. On a vécu un moment superbe. Bravo. Et voilà, c'était vraiment super ce soir, des grands champions. Une très belle boxe des points ce soir. Jérôme Le Banner qui nous a régalé, j'en perds mon latin. Et je vous avoue, Dida, ce soir aussi, vous m'avez... régalé, merci pour vos commentaires avisés. C'est un vrai plaisir. C'est un vrai plaisir, vraiment. J'ai passé vraiment un très bon moment avec vous. Bien meilleur que l'adversaire de Jérôme Le Banner ce soir, je vous garantis. Ah, merci Lida pour vos conseils et pour votre œil d'expert et de champion. Quel bon moment ce soir. C'était la deuxième édition de la Fight Night de Saint-Tropez. A très bientôt pour une nouvelle grande soirée pied-point sur l'équipe 21.